Service après-vente des livres, bonjour! Salut, Samandine! Dis-moi, est-ce que t'es au courant du mouvement de Sylvain Tesson? Ben non, vas-y, raconte! Eh bien, écoute, à 15h, tous les jours, on doit rallumer le feu de nos librairies. Donc, apparemment, à 15h, tous les jours, faut chanter du Johnny Hallyday. Bah, tu vois, peut-être que les forêts de Sibérie, la solitude, les grands espaces, personne à l'horizon, on se cache pour chercher la panthère, c'est peut-être une couverture, hein. Ça se trouve, bah, c'est un grand malade de Johnny Hallyday, Sylvain Tesson, hein. Ah, bah, il aime peut-être le collectif, la foule, le bruit, le rock. Je vois que ça, Amandine, hein. J'ai l'impression d'être la seule libraire de France à chanter du Johnny tous les jours à 15h devant ma boutique. J'ai vraiment l'impression d'être seule au monde, quoi. Attends, Amandine, on va céder, là. On va faire des tests, tu vois. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Je te dis si ça passe, tu vois. Allumez le feu! Allumez le feu! Allumez le feu de nos librairies! Allumez le feu! Ah bah là, si Sylvain Tesson il vient pas lui-même rallumer les feux de la librairie Saint-Pierre à Senlis, ah bah moi je sais pas ce qu'il faut faire là. Ah non, là j'en sais rien. Personne qui regarde là. Rallumez le feu. Rallumez le feu. Non, je crois qu'il faut que je me fasse coacher par Amandine là. Hein. Pas le choix. Hein. Gendarmerie nationale, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, je voulais vous signaler une personne dans une librairie en train de chanter du Johnny Hallyday ou bien du Francis Cabrel, j'ai pas bien pu identifier. Toutefois, elle est sans masque, sans attestation. Écoutez, merci madame pour votre signalement, j'envoie une patrouille.